Encore un matin. Encore un matin. Voilà. Voilà le spectacle d'une vie où chaque matin est une répétition, la répétition d'un nouveau matin. Combien cela fait-il de temps? Je crois bien avoir arrêté. Enfermé dans un éternel recommencement, je suis à la fois mort et vivant. Je crois que dans ce monde où tout est si simplifié, si balisé, je suis né. On m'a élevé, éduqué, enseigné un travail, alors j'ai travaillé. Ça, je ne sais pas. Dans cet univers de répétition, je suis trop souvent à la fois mort et vivant. Et si je décidais de ne pas me lever? Que cela changerait-il ?
À moi qui suis déjà à moitié inexistant, noyé dans une vague d'autres gens potentiellement tous identiques à moi-même. Je ne sais désormais plus où se trouve l'important. Je suis moi. Je suis moi, non? Enfin, je crois. Je crois que je prends conscience de ce monde dans lequel j'évolue sans jamais le voir. Je crois que je me souviens. Je me souviens de l'extérieur. Le ballet bien ordonné d'une répétition pour demain. La recherche désincarnée d'un oubli serein. Une preuve que si la vie existe, elle est désormais bien loin. Bien loin. Et ce monde. Devrais-je vraiment le comprendre? Le rituel mécanique de mes journées est-il une réponse? Serais-je un jour si, finalement, j'ai accompli ce pourquoi je suis né? Si ce matin j'ouvrais les yeux, ne verrais-je pas que du vide? Du vide. Du vide. Et qui serais-je pour juger? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus. Je ne sais pas. Comment le saurais-je? Je ne sais que faire pour sortir de ce cercle qui fait de mes matins un éternel quotidien. Je ne sais vraiment pas. Thank you.